Les vrais amis donnent toujours des nouvelles. Surtout si vous venez de gagner à la loterie. C'est le moment de procéder à notre tirage hebdomadaire. Préparez votre billet. Eh, t'as préparé le billet là ? Eh oui, je viens de lui mettre une cravate. Oh, c'est le bordel partout ici. Dans l'ordre ou le désordre. Ah, il vient de dire que c'est pas grave. Après, nous allons procéder dans quelques instants. Bah, allez, allez. Est-ce que tout cela est excitant ? Bah oui, magne-toi. Tu te calmes. Ce tirage est surveillé par la firme Rottner, Brutel, Flickenstock, and Tupperware, Beetle, Bayer, Meat, et Tweet, and Piper, Little Weapon, Tyrion, Peep, and Tour, Luton, Dito, Sleep, and Tap, and Pete, and Fight, and Smell. Bon, attention. Voilà, nous avons le 6 avec la barre en dessous. Le 9 avec la barre en dessous. On l'a. Le 7 avec la barre en dessous. Le 6 avec la barre en dessous. Le 7 avec la barre en dessous. C'est nous. Et l'ordinateur nous confirme que les gagnants sont un couple de Neuilly. Alors félicitations, ils allaient faire de l'argent. C'est comme si je le croyais pas. Mon dieu. Je vais aller préparer des chèques, je reviens. Mais voyons, t'as pas de chèques à préparer. C'est parce que je suis en état de choc. Oh, ça y est. Il y en a qui veulent partager. Ouais, je te dis que dans ce temps-là, les vieilles connaissances surgissent. Salut, c'est Régis. Je te rappelle, Régis. Je te l'avais dit. Oh, ça alors. On va se faire appeler par tous les gens dont ça fait une éternité qu'on n'a pas eu de nouvelles. Allô. Je te rappelle. Bon, t'as vu ? C'était qui ? Un tyrannosaure, tu t'imagines ? Eh merde. Mais c'est pas tout, les sociétés vont nous appeler, ils vont nous faire de la sollicitation. Allô ? Allô, ici les sociétés. Elle savait. Sollicitation, monsieur. Merci. Mais de toute façon, il va bien falloir qu'on partage un peu. Oui, 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 mais avec de proches parents. Ah. Salut, c'est Danorty. Tu sais, j'habite proche de chez vous. Oh, on te voit à peu près une fois par an. C'est ça, je suis un proche parent. Ah, je te dis qu'on va se faire harceler. On se fait déjà harceler. Qu'est-ce que c'est ? Harceler ! On s'est encore fait harceler. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça va ? Bonjour. T'es content de voir ton voisin d'en face ? Ah ouais, ouais. En tout cas, si t'as besoin de quelque chose à un moment donné, bah dis-toi que t'as ton voisin en face. Ok, t'es pas obligé de me parler de si proche que ça. C'est ce que je dis, t'as ton voisin en face. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, encore un, putain. Bah débarrasse-toi de lui subtilement, là. Subtilement ? Oui. Allô ? Surprise, c'est ton cousin Gaston. Bah je te dérange pas plus longtemps, cher Gaston. Je suis pas très bon là-dedans. Non, hein. Pas possible, tout le monde en veut à notre argent. Oh ! Qui c'était ? Une autre relation qui s'est brisée. Vous venez de gagner de l'argent, et maintenant il faut le dépenser. Allô, Monsieur Guste Kroden, de la rue Brottelgurt. Ouais, c'est moi. Vous avez bien acheté un sac de chips en 1975. Ouais, en prenant de l'essence. Eh ben, vous avez rempli le petit coupon d'un concours et vous avez gagné 12 millions. Ben merde. Félicitations. Merci, là. Au revoir. Ernestine. Ah. On vient de gagner 12 millions, là. Ah. Tu réalises ? Non. Moi non plus. Alors, on va s'acheter une voiture de luxe. Non, on va s'acheter des trucs moins chers, mais plus de trucs, tu comprends ? Ah, t'avais pas songé à ça, hein ? Concessionnaire du bonheur pour le client qui est roi, avec les petites fleurs, bienvenue chez nous, les petits sourires tout roses. On va acheter une voiture, s'il vous plaît. Ne quittez pas. T'es le pire des cons. Ouais, trop le cul. Va chier. Ouais, va chier. Allô ? Vous êtes le vendeur ? Oui, alors vous signez là et là. Je peux vous parler avant. Bon, ça y est, merde. J'ai une petite voiture toute simple là. D'accord. Une qui est pas trop. Bah, on a la qui est pas trop GXL avec frein ABS. Vous avez pas la GXL avec des freins meilleur marché là, petit budget ? Oh, ce serait la GXL avec frein SDF. Et je veux le véhicule sans aucune option qu'on doit payer en extra. Bah, y'a quand même le sac gonflable automatique. Bon, y'en a pas des moins chers ? Non. Qu'on peut gonfler manuellement ? Vous aurez pas le temps, monsieur. Bien sûr, j'aurai le temps, je suis à la retraite, allez. Bon, aucune option qui se paye en extra. Aucune, et j'y tiens. Bon, eh bien, on vous prépare votre volant. Bon. C'est pour passer chercher quand ? Demain. À demain, alors. Bon, on va aussi s'acheter un ensemble de cinéma maison, écran géant, tout le bordel. Ah, mais qu'est-ce que c'est, monsieur ? J'ai pas compris ta question, là. C'est quoi le truc que tu... Non, on va se... T'as parlé le truc avec... Ta gueule, Ernest. Allô ? Allô ? Je peux vous servir ? Ouais, je vais acheter un ensemble de cinéma, là, écran géant et parfait. Tout. Parfait, on a des super trucs. Oui, je veux que ça soit bon marché. Bon, je suis désolé, mais c'est comme ça. Bon, et alors ? Bah, si vous voulez un cinéma bon marché, bah, vous allez avoir des acteurs de cinéma bon marché. Qui c'est que ça ? Par exemple, Arnold Schwarzenegger devient Arnold Schwarzenegger de budget. Ah bon ? Demi Moore devient demi-prix. D'accord. Bruce Willis devient petite bourse Willis. Ça me convient. L'actrice chanteuse Cher devient moins Cher. Parfait. Kevin Costner devient Kevin Low Costner. C'est ce que je veux. Woody Allen devient Woody Badlen. Bon, bah, c'est... Val Kilmer devient Avar Kilmer. C'est bien, je suis... Sean Connery devient Sean Economy. C'est vendu. S'il fallait qu'un être humain puisse décider des détails de son destin, où serait le charme de cette vie ? Allez, vas-y, mon pigeon.
Impec. Tu veux encore un peu de café, Paul ? Non, merci, je dois y aller, là. Eh, merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de recevoir mon destin du mois prochain, écoute ça un peu. Je vais me péter 3 fois la tête sur la porte de placard de la cuisine, je vais casser la gueule au type qui distribue les prospectus, je vais attraper une gastro, je vais avoir une mauvaise réponse à un jeu télévisé, je vais perdre patience avec ma copine au téléphone, je vais avoir la visite de 3 témoins de Jéhovah, et puis... Oh ben, putain ! Quoi, tu vas mourir ? Je vais gagner 10 000 balles ! Sacré vénère ! Mais seulement à la fin du mois. Ah, c'est bien, non ? Je me demande si je pourrais les encaisser tout de suite. Eh, oh, mais t'es malade, on change pas le destin comme ça. Je vais téléphoner à la société de destinée. Et comment elle s'appelle, la société de destinée ? Oh, elle s'appelle un truc, là, destinée. Euro destinée ? Bonjour mademoiselle, j'aimerais savoir s'il est possible de changer mon destin du mois. Votre nom ? Édouard de la Prute Latide. Et vous voulez changer quoi ? Ben, je devais gagner 10 000 balles à la fin du mois et j'aimerais bien les gagner tout de suite, quoi. Mais qu'est-ce qui doit vous arriver avant les 10 000 balles ? Ah, ben je me cogne la tête, des trucs comme ça. Selon le règlement, si vous voulez l'argent aujourd'hui, toutes les autres épreuves du destin du mois doivent arriver dans la même journée aussi. Ah, ben c'est parfait, on va faire ça comme ça. Vous êtes sûr ? Oui. Bonne journée. Merci. Tu vois, mon vieux, je me fais tout le mois aujourd'hui et j'ai mes 10 000 balles. Es-tu bien sûr de ce que tu fais, Edouard ? Mais t'inquiète pas, mon vieux. Mais où est-ce que je m'en vais ? Bah, dans la cuisine. On dirait que j'ai pas le contrôle. Putain, les 3 coups de tête sur les portes de placard. Je les ai pris tous les 3 d'affilée. Mais t'as demandé tout ton destin aujourd'hui. Non, mais là, j'en ai plus envie. Mais où est-ce que tu vas comme ça ? Mais je sais pas, moi. Merde, tu t'en vas taper sur le mec des prospectus. Ah non, mais il n'y a pas question. Mais tu peux plus changer ton destin maintenant. Fais chier. Écoute, mon vieux, est-ce que ça te dérangerait de pas mettre de prospectus dans ma boîte ? Ah, d'accord. Je les lis jamais, de toute façon. Alors, j'en mettrai plus, c'est cool. Oh, c'est cool. C'est cool. Merci. Putain, t'as vu ça ? Le coup est parti tout seul. Mais c'est ce que je te dis, on n'y peut rien. Tiens, on dirait que je vais aux toilettes. Attends, c'est normal. Selon la liste, tu en es à la gastro. Oh, merde ! Quelle super journée ! Bon, quoi encore ? Ça doit être la mauvaise réponse au jeu télévisé. Allô ? Bonjour, vous êtes à l'antenne. Qui a interprété la chanson « Quand la musique est bonne » ? Mais quand la musique est bonne ? Jean-Jacques Goldman. Qu'est-ce que t'as dit ? Jean-Jacques Goldman. Qui ? Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. Malheureusement, ce n'est pas Nana Mouskouri, c'est Jean-Jacques Goldman. Mais j'avais la bonne réponse. Mais tu peux pas changer le destin. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Attends voir. Là, tu perds patience avec ta gonzesse. Mais allô ? Ah, Sophie, merde ! Ensuite, on en est aux 3 visites des témoins de Jéhovah. Attends, on peut voir, je vais m'en occuper. Oui, bonjour, est-ce que vous avez une petite minute pour parler ? Non. Est-ce que vous connaissez la bonne idée ? Jésus revient, Jésus revient, Non. Bonjour, monsieur, nous venons vous annoncer que vous êtes l'heureux gagnant de 10 000 francs. Non. 2 minutes, les 2 minutes du peuple.